Bonjour chers amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format vlog puisque j'ai été invitée par la maison Hachette Roman pour aller à l'événement Belle Morte. Donc Belle Morte c'est tout simplement leur dernière parution. C'est une histoire de vampire et on a reçu une invitation tout aussi exquise que l'intrigue de ce livre. Du coup je vais vous montrer tout ça, je sais pas trop quoi m'attendre. Je sais juste qu'il y a eu deux sessions, que je suis celle de l'après-midi. Donc j'ai très très hâte de voir ce qu'on nous a concocté. Pour parler du livre en fait on va suivre une intrigue en fait les vampires à l'heure actuelle sont connus au grand jour et ne se cachent plus et donc du coup ils ont organisé tout un système de donneurs de sang, enfin bref quelque chose comme ça en fait, et du coup on va suivre l'histoire de Renny, je sais pas comment vous prononcez Renny, je sais pas. Et que du coup, en fait, elle va intégrer justement ce cercle de donateurs parce que sa sœur en faisait partie et qu'elle n'a plus de nouvelles d'elle depuis bien trop longtemps, donc ça l'intrigue. Voilà, j'en suis à la moitié du livre, je vais continuer ma petite lecture pendant évidemment les trajets et puis je vous montre tout ça, voilà. Alors, lorsque nous sommes arrivés sur l'événement, on nous a expliqué qu'on allait mener une sorte de petite enquête du genre escape game, puisqu'une photo avait fuité entre un vampire et un donneur, et il fallait savoir qui avait fait fuiter cette photo. On a été répartis en équipe, j'ai eu une superbe équipe, et on a mené l'enquête, et on a dû interviewer quelques personnes présentes dans le manoir. Je vous laisse avec toutes ces images. Ton meilleur sourire, ok? Donc, je veux que tu te dises que grâce à cette photo, j'aurai un petit cachet avec ça. Okay. Johnson, c'est quoi? Exactement. Okay. Je veux du sourire, je veux de la pose. Elle est donne comme ses copines. Le meilleur de soi-même, le meilleur. Sourire, smile, peps, non, l'air parfait. Comme vous savez, je m'appelle Eric Paparazzi. J'ai été engagée par Belle Morte et par mon magazine pour prendre toute la soirée ces super vampires que tout le monde a vu et que tout le monde aime, alors que tout le monde sait que ce sont des bêtes sauvages ultra dangereuses et vous devriez vous méfier d'eux. Surtout de Catherine qui est archi bizarre. Enfin bon. J'ai dû prendre des photos pour eux toute la soirée, donc je n'ai pas quitté, pas un seul moment, le lobby et la salle de bal. Tout le monde pourra m'attester, j'étais là. Je suis la meilleure des photographes. Moi et mon bébé, on ne se sépare jamais, 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 jamais. Quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Et peut-être, peut-être. À un moment donné, j'ai cru apercevoir de loin Amit et Mélissa. Mélissa, que vous rencontrerez tout à l'heure, en train de se disputer. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien, j'essaie d'en savoir un peu plus, mais tout le monde n'a rien dit. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus sur ça. On va jouer avant de commencer les questions. Okay. On va voir si vous vous en sortez. Vous allez jouer d'abord les unes contre les autres. Je jouerai moi contre la gagnante. Je ne joue pas avec. C'est compréhensible. Comment? C'est compréhensible. Moi j'ai pas un micro. Oh mon dieu! Contre toi, cache ta joie. Mort subite. La première qui arrive à deux a perdu. Je pense que là, ça va plus, c'est plus simple. Ouais. Ça va aller. J'ai compris. D'accord. C'est parti. Le discours de Paparazzi. Vous voulez mon avis, c'est ça? Oui, c'est mieux. Est-ce que vous savez qui est sur la photo? Non, on ne sait pas. Alors, faut qu'on vous enquête. C'est le premier truc à réfléchir, en fait. Je vais vous aider, je vais vous aider. Quel intérêt à diffuser cette photo, puisque genre... Je suis là ici, j'ai été contrainte de le faire puisque je fais quelque chose d'interdit sur cette photo. Donc j'ai vraiment aucun intérêt à diffuser cette photo. Vous verrez par la suite, vous comprendrez par la suite si vous en avez la capacité. On se reverra peut-être. Mais sachez que je ne suis pas ici de mon plein gré. Faire la diversion, c'est vous normalement qui devez me dire.
avec eux. Qu'est-ce qu'elle a dit, Erin? Vous êtes disputé? C'est Orphine qui a dit que vous étiez disputé. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, à mon avis, c'est Erin qui a fait le coup. C'est elle, la photographe, c'est elle qui, de toute façon, est photographe toujours à la recherche de l'argent, quoi. Donc pourquoi pas se faire un petit peu de lait en envoyant la photo à la presse? Bah, c'est ça. C'est sur les grands pierres. Pierre de Boulevard. Les Lourdes. Je suis fan, je suis aussi chez Vladimir. J'adore. Donc, dans Vampire Diaries. Ah, bah, c'est pas facile. Je l'ai vu deux fois. En quelle année Damon pardon, et Stéphane sont-ils changés en vampire? 1864, 1884, 1784 ou 1846. 1864, on va pas tout de suite. Ça va être dernière réponse. Ah ben moi les dates, non, je dirais ça. Ouais, je vais dire ça. Et c'est bon, ça commence très bien, vous avez déjà des très bonnes candidates. On a vraiment galéré, on a passé une heure et demie, on a re-interviewé certaines personnes et puis on a essayé d'avoir un scénario qu'on a proposé et finalement voici la révélation finale. Vous êtes tellement, mais tellement facile à berner. Tu vois, c'est trop évident. C'est trop. Vous savez, ça fait très longtemps que je suis une vampire maintenant. Et grâce à Amit, j'ai retrouvé mon copain. Et je suis persuadée. On peut vivre notre amour au grand jour. Bon, en fait, on avait perdu. Voilà, on a pas du tout. Ouais. On n'a pas du tout trouvé. Pas du tout. C'est déjà le retour, mais j'ai fait de superbes rencontres, ça c'est top. Et je vais vous montrer, il y a des choses qu'on a eues, c'est trop bien. Et me voilà revenue de cet événement, c'était vraiment super chouette. J'ai adoré faire de nouvelles rencontres de personnes que parfois je ne connaissais pas ou que je connaissais. C'était vraiment très très sympa de pouvoir échanger autour de la lecture et puis participer à cette intrigue. Donc il s'agissait d'une sorte d'escape game. On devait mener l'enquête pour savoir un petit peu avec une histoire de photo qui avait fuité dans la presse et on devait savoir qui du coup avait diffusé cette photo. Franchement j'ai adoré, c'est vraiment trop bien mis en scène et c'est vrai que ça nous a fait chercher, nous interroger, etc. Les histoires étaient vraiment super bien construites, donc vraiment chapeau à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. C'était vraiment trop immersif et c'était vraiment un événement trop cocooning, convivial. J'ai adoré. On est reparti avec un petit cadeau, donc on est reparti avec des posters. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et vraiment, ça me fait rire parce que déjà en ayant commencé la lecture de Belle Morte, j'ai eu un petit peu des réticences parce que ça ressemblait beaucoup à Twilight. Il y avait beaucoup d'inspiration de Twilight. Et quand j'ai vu les portraits, je me suis dit ah ouais, d'accord. Donc je les ai enroulés pour le transport. Voici du coup Izan. Donc voilà. Ça me fait penser un petit peu à la directrice dans Mercredi. Ensuite nous avons alors je pense que c'est Isabeau. Elle me fait penser à Victoria dans Twilight. Voilà. Ensuite nous avons, alors ça je ne sais pas lequel c'est, mais voilà, encore un, me fait penser à un vampire dans Twilight, je sais plus lequel. Bref, un petit peu des lettres de Jasper. Ça c'est clairement Edouard, on va pas se le cacher, c'est la gueule d'Edouard à 100%. Ensuite nous avons un petit air de René Smé, on va pas se le cacher non plus, hein, voilà. Et enfin nous terminons avec Jasper numéro 2, voilà. bref, je sais plus trop qui est qui là de mémoire, mais je trouve que c'était vraiment super bien, vraiment décoré. Le cadre était magnifique, enfin vous avez vu, c'était trop joli. Et j'ai fait des très belles rencontres, c'était vraiment super chouette, j'ai vraiment adoré. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Alors j'ai totalement oublié mon appareil photo chez moi, donc j'ai filmé avec mon téléphone. La qualité a sûrement changé entre les deux, je suis vraiment désolée. C'est un oubli de ma part qui est bien trop récurrent quand je fais ce genre d'événement, donc je m'en veux un petit peu. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié ce format. Et puis du coup, bah, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures livresques. Et puis, je vous souhaite du coup de belles lectures et n'oubliez pas de vous évader. Ciao, ciao !